En couture. 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 En Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Noumaou. J'espère que vous avez pu vous reposer pendant la pause. J'en reviens à la question que je posais tout à l'heure, à savoir, et je vous demande encore une fois de faire bien attention aux questions que je pose. J'essaye de les faire précises. Et ma question est de savoir si, en dehors de votre poste au comité de village et ensuite au comité de la commune, est-ce que vous avez occupé d'autres fonctions pendant le Kampuchea démocratique ? Et à part ces deux fonctions, avez-vous exercé d'autres fonctions, oui ou non? Hier, répondant à une question de mon confrère de l'équipe de Nonchea, et c'était un petit peu après je retrouve les références dans le PV d'hier. Excusez-moi. Donc un petit peu après 10h28 dans le PV d'audience, enfin le projet de PV d'audience d'hier, avec l'autorisation de Monsieur le Président, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de traduction, je souhaiterais d'une part que l'on puisse afficher ce projet, et d'autre part que mon confrère Kom Samon puisse lire en khmer le passage de ce PV. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអានជូននៅចំណុចដែលត្រូវដកស្រង់នេះដែលជាសម្ដីរបស់លោកសាក់សីអនុម៉ៅឆ្លើយ ចាន់ស៊ីគាត់ខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំក្តាប់អត់បានដែរអាការចងចាំនឹងវាបាត់បង់អស់ហើយចង់គាត់ដឹងឬមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរទេខ្ញុំវាត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅក្នុងសមរភូមិនោះខ្ញុំនៅតែព្យាបាលតាមពេទ្យនានានឹងទិញថ្នាំពីតំបន់ភ្នំពេញមកធ្វើអីកើត បើវាធ្លាក់ឈាមទៅណាបានបើនៅខ្លួនស្គមដោយកុកទៅហើយធ្វើអីទៀតតទៅទៀតអត់បានទេបាទសូមបិទការដកស្រង់សូមអរគុណលោកទៀត
Hier, donc, monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous avez été blessé sur le champ de bataille. Et en répondant hier à mon confrère de Nunchia, vous avez indiqué que vous n'avez jamais eu de position militaire. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre dans quelles conditions vous avez été blessé sur le champ de bataille? Mon confrère m'indique qu'il y a peut-être eu un problème de traduction. Il vous a été relu tout à l'heure un passage de votre déclaration d'hier dans lequel vous avez indiqué que vous avez été blessé sur le champ de bataille. Ma question est donc de savoir si vous n'avez pas occupé de position militaire, dans quelles circonstances avez-vous été blessé? Monsieur le témoin, je vous ai relu précisément hier, enfin vos déclarations d'hier. Vous n'avez pas parlé de hamac, vous avez parlé d'une blessure sur le champ de bataille. Est-ce que, oui ou non, vous avez été blessé sur le champ de bataille? Je vais passer à un autre point. Vous avez indiqué que ces problèmes de santé ont eu pour conséquence que vous avez été écarté de vos fonctions au niveau de la commune. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Est-ce que vous vous souvenez
à peu près à quelle date vous avez arrêté vos fonctions au niveau de la commune. Est-ce que c'était beaucoup de temps avant la victoire des Khmer Rouges? Et vous ne vous souvenez pas de l'année? Je voudrais montrer aux témoins un passage des notes de M. Ben Kiranan à ce propos sur le document D 313-1.2.4.05 URN en Khmer 00909938 URN en français 00893547 URN en anglais 00419460 En français, il s'agit du dernier paragraphe. Avec l'autorisation, Monsieur le Président, donc nous l'affichons à l'écran. Voilà les notes prises lors de l'entretien. Vous dites, selon Ben Kiranan, j'étais malade, je perdais du sang à partir de 1974. En 1975, j'ai été évacué à Kumonvaon, à Kampong Speu, après la libération. Est-ce que, monsieur le témoin, cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que c'est bien en 1974 que vous êtes tombé malade ou que vous avez été blessé? Est-ce que, monsieur le témoin, il est juste de dire dans ces conditions que les séances d'éducation dont vous avez parlé devant cette chambre ont eu lieu avant que vous soyez malade, que ce soit les sessions d'éducation avec Tamok ou les sessions d'éducation avec Chaosi? Monsieur le témoin, excusez-moi.
Excusez-moi, encore une fois, je suis désolée de vous interrompre, mais je vous pose des questions précises, je vais aller pas à pas pour éviter la confusion. Donc, vous m'avez confirmé que c'était avant et je vais maintenant vous poser des questions sur ces sessions d'éducation. Première question par rapport aux réunions ou aux sessions que vous avez eues avec Tamok. Tout d'abord, est-ce que vous avez eu une ou plusieurs sessions d'éducation avec Tamok? Hier, monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous avez assisté à des sessions d'éducation de Tamok. Est-ce que vous le confirmez? La question est de savoir si en dehors de cette... Je vais prendre ça autrement. Vous avez indiqué que la session d'éducation avec Chuchet s'était déroulée dans le district de Tpong, au nord de Wat Kaotok. Je suis désolée pour l'accent. C'était hier, un petit peu avant 10h08. Est-ce que c'est bien dans ce lieu-là que la session d'éducation avec Chuchet s'est déroulée? D'accord. Merci de ces précisions, monsieur le témoin. Je suis désolé. Encore une fois, je vous demande de faire bien attention aux questions que je pose. J'essaye de les faire les plus précises possibles. Donc, si vous pouviez répondre d'abord précisément à la question, et si j'ai besoin d'informations complémentaires, je vous le demanderai. Parce que mon temps est compté, et si nous continuons ainsi, je ne pourrai pas terminer dans le temps imparti. Vous avez donc parlé de cette session d'éducation, et si je comprends bien,
ce que vous avez déclaré juste avant ma question. Vous avez dit que c'est au cours de ces un mois de formation que Tamok, vers la fin de la session, est venu prendre la parole. Ma question est donc la suivante. En dehors de cette formation de un mois dans le district de Tpong, est-ce que vous avez assisté à d'autres formations données par Tamok? Excusez-moi, monsieur le témoin. Je suis désolée de vous interrompre à nouveau, mais là, vous venez de me répéter ce que vous avez déjà dit. Ma question était différente. Ma question était de savoir si, en dehors de cette formation dont vous venez de me parler, et j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, ma question est de savoir si, en dehors de cette formation, vous avez eu d'autres séances d'éducation avec Tamok, à un autre moment. Je vous remercie de cette précision. Vous avez également évoqué Puyun hier à 11h21. Et vous patientez un instant, je recherche les références. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on puisse présenter le projet de procès-verbal sur l'écran afin que Monsieur le témoin puisse le suivre. Donc hier, vous avez dit que Uyun était venu présider une assemblée et le lieu que vous avez indiqué est Wat Tangpo. Est-ce que vous souvenez de cette déclaration et est-ce que vous confirmez que Uyun est venu à Wat Tangpo présider une assemblée? ចូលរួមទាំងកម្មាភិបាលទាំងថ្នាក់តំបន់ដែលទៅចូលរួមនិយាយពីការជិះលិះជាជនគាត់លើកឡើងថាបើសិនណាជាយើងបាច់ឈ្នះយើងមិនបាច់ដកមិនបាច់ជិះលិះជាជនពីទីក្រុងភ្នំពេញទេ
Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez en quelle année Ouyoun serait venu dans cette assemblée? Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs? Je souhaiterais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, que l'on puisse montrer les notes prises par Ben Kirnan, document D313-1.2.405, ERN en Khmer 00909939. ERN en français 00893548. ERN en anglais 00419461. La partie que je souhaite citer se trouve en français à peu près au milieu de la page. Voilà les notes prises a priori par M. Ben Kirnan le jour de votre entretien. Et selon lui, voilà ce que vous avez indiqué. J'ai vu Ouyoun une seule fois en 1972 à Tang Wat Po à une fête ou réunion. Je ne l'ai pas rencontré. Il n'a pas mentionné la présence vietnamienne, juste le mouvement populaire, début 1973. Est-ce que, monsieur le témoin, ces notes vous rafraîchissent la mémoire? Est-ce que c'est en 72 ou en début 73 que vous auriez vu Ouyoun à cette assemblée à Tang Wat Po? Non, ແລະລົງຈຳລູກຮູ້ຍົນແລະກອດມາບໍາພືດອກກໍາໃຫ້ມາຕາເນາະກອດລູກຫຼານອັນປີແລະຕົ້ນຊ្នះຄືຍັງມັນຕ້ອງຈະເລືອກປະຊາຊົນປີທີ່ກົງພົມເພິ່ນນັ້ນເດ ខ្ញុំក៏បានស្គាល់គាត់ទៅពេចពិលហើយណាស់ហើយគាត់លើកឡើងដែលហៅកម្មហើយបានហើយនឹងតាមភូមិតាមស្រុកខេត្តតំបន់ហ្នឹងដែលមកជួបជុំគ្នានៅវត្តតំពូនហ្នឹងគាត់ប្រកាស គាត់និយាយច្រើនក្នុងខាងផ្នែកនយោបាយតែគាត់ខ្ញុំវាការចងចាំនឹងវាភ្លេចបាត់បង់ទៅតែចាំបានត្រឹមតែគាត់លើកឡើងអំពីជាលិះប្រជាជនមិនឲ្យជាលិះប្រជាជន
Est-ce que, monsieur le témoin, sans vous souvenir de la date, est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire dans les notes de Ben Kiernan, à savoir que vous n'avez vu Ouyoun à Wat Tengpo qu'une seule fois? Est-ce que vous avez assisté à d'autres rassemblements à Wat Tengpo? Je vous remercie de ces précisions. Donc vous n'avez vu Ouyoun qu'une seule fois. Ce matin, répondant à une question de mon confrère Copé, de l'équipe de Nyonchea, vous avez indiqué que vous ne saviez pas si Ouyoun était en faveur ou contre l'évacuation. Quand il vous a posé la question, et c'était ce matin entre 9h45 et 10h, selon mes notes, vous avez indiqué que vous ne saviez pas quelle était la position de Ouyoun. Je voudrais maintenant projeter à l'écran et faire en sorte que mon confrère Kong Samon lise un passage de votre déposition d'hier où vous évoquez et la position de Ouyoun et la position de Khieu Samphan. C'est le projet de procès-verbal à 11h23. Et mon confrère Kong Samon va vous lire ce que vous avez répondu hier. បាទសូមអនុញ្ញាតអានលោកវិធានដកស្រង់បើតាមចំហររបស់លោកខៀវសំផនក៏ថាឲ្យចម្លៀសប្រជាជន Ouyoun quát mân ao chim lia prochia chun tê ba hôn nim có quát mân ao chim lia prochia chun đai hôn nim đã xem ô con lục thiên donc monsieur le témoin je viens de vous relire vos déclarations d'hier, où vous avez indiqué que Ouyoun n'était pas favorable à l'évacuation et que Khieu Samphan, lui, par contre, y était favorable. Ça, c'est ce que vous avez dit hier. Mais ce matin, à 9h45, entre 9h45 et 10h, vous avez dit ne pas savoir si Ouyoun était en faveur ou non de l'évacuation. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre, premièrement pour Ouyoun, est-ce que oui ou non, vous savez quelle était sa position? ដែលធ្វើមហាសន្និបាតនៅឯវត្តតង្គោហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទៀត
ហើយហ៊ុននឹងមកខ្ញុំសផនហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនបានទៅជួបជុំកន្លែងណាឬក៏ស្គាល់កន្លែងណាខ្ញុំអត់ទេគាត់ទៅគូហ៊ុនហ្នឹងដែលគាត់ហៅទៅហ្នឹងខ្ញុំគាត់លើកឡើងថាបើយើងយកជ័យជំនះវាយឈ្នះយើងមិនបាច់ទៅជាលេខជាជនទេនឹងចំពោះហ៊ុន Je comprends bien votre réponse, monsieur le témoin, mais là encore, je voudrais que mon confrère Kong Samon lise une partie de votre déposition d'hier. Il s'agit toujours du procès-verbal temporaire, enfin provisoire. Cette fois-ci, c'est un petit peu après 11h27. Et vous évoquez la position de Khieu Samphan. La question de monsieur le procureur à ce moment-là est la suivante. Comment avez-vous su que Khieu Samphan était pour l'évacuation? Et voilà la réponse que vous donnez et elle va vous être lue en khmer. សំដកស្រង់សំណួរតើធ្វើម៉េចទៅលោកបានដឹងថាខៀវសំផននឹងគាត់គ្រប់គ្រងផែនការជំនឿឆ្លើយខ្ញុំដែលបានដឹងនឹងនៅក្នុងធ្វើសន្និបាតនៅវត្តតាំងពោតែក្រនខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេនឹងហើយខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតើតែគេថាមកធ្វើសន្និបាតនៅតាំងពោនឹង Donc, de votre réponse d'hier, on a l'impression que c'est à cette réunion à Wat Thang que vous avez appris quelle était la position de Khieu Samphan et de Hou Nim. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre, est-ce que vous-même, vous connaissiez la position de Khieu Samphan par rapport à l'évacuation de Phnom Penh? ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការជំនះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមិនបានដឹងទេខ្ញុំហៅតែខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំដែលលោកហ៊ុយយុនដែលលោកប្រកាសរឿងជាលើកទីជនទីក្រុងគាត់ថាមិនបាច់ជាលើកទេ Je vous remercie de ces précisions, monsieur le témoin, et je passe à une autre ligne de questionnement, c'est bientôt la fin. Vous avez indiqué avoir assisté à une seule Mr. President, I can only invite my learned friend to clarify, but in answer to the last question, with the extract having been read out from 11:28 on the transcript. The first point I wish to make, the question that was put was that the witness had found out at the meeting
at Wat Thang Po, what Khieu Somphone and Khieu Ninh's positions were. The actual extract with my question was, how had you found out or discovered that Khieu Somphone was in favour of the evacuation? So my question did not address Khieu Ninh, but it's been represented that my question did. And the second observation I have is that with the question being framed, did you know what Khieu Somphone's position was regarding the evacuation? It's implicit in the answer that the witness thought that the question went to his position generally and not his view or his line or another word about the evacuation. In my respectful submission, this should be cleared up. Monsieur le Président, là encore, je comprends l'embarras de Monsieur le Coprocureur, mais j'ai précisément fait attention à ce que l'on puisse citer in extenso en khmer pour qu'il n'y ait pas de problème de traduction, ce qu'a indiqué Monsieur le témoin. J'ai également posé ma question en faisant attention de bien scinder la question sur Ounim et la question sur M. Khieu Somphone. La réponse de M. le témoin a été claire. Elle ne convient pas à M. le coprocureur. Elle n'est pas la même que celle qu'il a donnée hier, peut-être. Mais aujourd'hui, je n'ai absolument pas posé la question de façon confuse. C'était clair et encore une fois, j'ai bien pris la précaution de faire en sorte de citer le transcript en khmer pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc je demande à la Chambre, bien sûr, de ne pas tenir compte de l'objection de M. le procureur et de me permettre de finir mon interrogatoire qui arrive bientôt à son terme.
Monsieur le Président, je ne sais pas quelle est la situation de santé de Monsieur le témoin. Je n'avais que 5 minutes supplémentaires sur Tamok comme question. Si vraiment son état ne lui permet pas de répondre aux questions, je n'ai pas d'inconvénient à mettre un terme à mon interrogatoire maintenant. S'il évidemment est en position de tenir encore 5 minutes, je souhaiterais pouvoir lui poser ses questions, mais s'il ne peut pas, je renoncerai à ces 5 minutes de questions supplémentaires. Donc, je tenais à ce que vous ayez ma position en fonction de ce qui sera dit. Mr. President, I do rise at this stage because this evidence in my submission is being left in an unsatisfactory position. If the prosecution had the right of re-examination, we would. We do not. The juxtaposition of the use of the word position with the answer, I did not know him, I did not know either of them, leaves this important piece of evidence unclarified. I cannot re-examine. The cross-examination is moving, I think, to another point. All I can do in these circumstances is to invite you or other judges of the court to clarify the answers given by the witness at some stage. Thank you. Je pensais, Monsieur le Président, que vous aviez déjà rendu une décision à ce sujet, donc je ne comprends pas pourquoi Monsieur le procureur revient dessus. Je précise que dans sa réponse à la question, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, un dernier point que je souhaiterais aborder avec vous à propos de Tamok. Vous avez indiqué qu'il était en charge des affaires militaires. Devant cette chambre, un témoin, Monsieur Choukrin, qui était militaire, est venu témoigner. Première question, est-ce que vous connaissiez M. Choukrin ? À l'audience du 23 avril 2013, un petit peu avant 11h23 et un petit peu également après 15h49, ce témoin indiquait que Tamok utilisait un slogan qui était connu, qui disait, en français ça a été traduit comme ça, « Au-dessus de Tamok, il n'y a que son chapeau ».
ce même témoin préciser, et je demanderai l'autorisation de mettre en khmer ce slogan, enfin ce, plutôt l'extrait de l'audience du 23 avril 2013, 1-182.1, après 15h49, voilà comment il décrit un tamok. Quand tamok, par exemple, ordonnait aux troupes de faire telle ou telle chose, par exemple, d'aller au combat, il fallait le faire. Si je n'établissais pas de rapport détaillé, il pouvait sortir son arme à feu et tirer sur nous. Parfois, il était bon, parfois, il était très cruel. Fin de citation. Est-ce que, monsieur le témoin, au sein de la zone ouest et nord-ouest, vous avez entendu de pareils incidents relatifs à Tamok, et est-ce que cela correspond à ce que vous savez de la personnalité de Tamok et de sa réputation à l'époque? Eh bien, monsieur le témoin, je vais vous laisser vous reposer parce que je n'ai plus de questions à vous poser. Et je vous remercie, monsieur le président, des 5 minutes supplémentaires que vous m'avez accordées. Thank you, President. The Chamber wishes to respond to the prosecutor's comment a few minutes ago, simply to say that it notes the comment and will take it into account when the Chamber evaluates this witness's evidence. Thank you, President. វត្តមានរបស់លោកនៅអបតកនេះនៃមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយអង្គជំរះសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកដល់សហគមន៍ចំពោះមុខអង្គនោះជំរះក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយភាពអត់ធ្មត់និងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសហគមន៍របស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទៀងក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងរឿងក្តីនេះហើយសូមជូនពរលោកមានសុខភាពល្អហើយជួបតែសំណាងល្អបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន ឯសํานักการថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គញឹមប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសํานักការឬសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសํานักការលើកតែបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 24 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013 ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកឯសํานักការនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសម្រាប់ក្រោយនេះអង្គញឹមប្រកាសនឹងធ្វើសํานักការការបង្ហាញឯកសារគន្លឹះរបស់ភាគីចំពោះមុខអង្គញឹមប្រកាស
Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais pouvoir moi aussi apporter mon commentaire, puisque si j'ai bien compris, la décision de la Chambre par Madame le juge Cartwright, la Chambre prendra en compte les commentaires de Monsieur le coprocureur. Je n'ai pas eu la chance de répondre à ces commentaires. Et je pense que si la Chambre doit prendre en compte ces commentaires, le principe du contradictoire doit faire que moi aussi je puisse faire ma réponse aux commentaires de Monsieur le coprocureur, puisque nous n'avons pas la même analyse de la réponse de Monsieur le témoin. Donc si la Chambre entend prendre en compte les commentaires de Monsieur le coprocureur, je souhaite qu'elle puisse également prendre en compte les commentaires de la défense. Mom Rathia, look at Chang Bi, but top of Sana Kandi Banai, on the Brandom in Panya, Mujumutit, the Jay, when you jump cry. Je vous remercie, Monsieur le Président. Si j'ai bien compris la remarque de Monsieur le coprocureur, c'est de savoir, c'est de dire plutôt qu'il y aurait une confusion dans la manière de poser la question en utilisant le mot position relativement à Khieu Samphan. Nous n'avons pas encore les transcripts du jour, mais nous les aurons. Très clairement, lorsque le témoin a répondu à ma question, quand je lui ai demandé s'il était au courant de la position de M. Khieu Samphan au sujet de l'évacuation. Dans ma traduction en français, je ne sais pas comment c'est sorti en anglais, mais dans ma traduction en français, il a bien expliqué que s'il a pu connaître la position de M. Huyun à l'époque, c'est parce que celui-ci lui aurait donné cette position lors de la réunion à Wat Chanpe, et qu'il n'avait pas connaissance de la position de Khieu Samphan, mais de celle de Huyun au sujet de l'évacuation. Ça a été clairement dit. Donc aujourd'hui, que l'on veuille indiquer à la Chambre qu'il y aurait une confusion possible ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé à l'audience. Cela correspond d'ailleurs d'autant moins à la réalité de l'audience que, à plusieurs reprises au cours de sa disposition, et ça, c'est un point que la Chambre aura certainement évalué lorsqu'elle reverra les transcriptions d'audience, mais que ce témoin a dit une chose, puis son contraire, peut-être parce qu'il ne se souvient plus, peut-être parce que c'est confus, peut-être aussi parce que certaines questions ont été directives. Mais en tout état de cause, lorsque le témoin a répondu à la question qui indiquait bien que c'était la position de M. Khieu Samphan par rapport à l'évacuation de Phnom Penh, il n'y avait à mon sens
pas de difficultés. Donc je trouve que la position de monsieur le procureur, qui est de dire qu'il y aurait une confusion parce que la réponse ne lui convient pas, comme d'ailleurs la réponse ne lui avait pas convenu à un moment hier à l'audience, puisque le témoin avait indiqué dans un premier temps qu'il ne connaissait pas la position de Khieu Samphan. Là encore, ça ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé à l'audience. Je tiens à faire ces commentaires puisque la Chambre, encore une fois, a dit qu'elle prendrait en compte les commentaires de monsieur le coprocureur. Je pense que ce sera beaucoup plus clair lorsque nous aurons l'intégralité des notes d'audience et que nous pourrons nous y référer, y compris avec celles d'aujourd'hui. Voilà les observations que je souhaitais faire à ce stade. Mr. President, I'll be brief. It's when the question elicits the answer, I did not know him in relation to Khieu Samphan. In other words, the witness believes that the question is addressing whether he knew Khieu Samphan or not. There was then the use of the word position. So, did you know Khieu Samphan's position, having asked lots of questions about hierarchy? All I invite you to do is to have regard to today's transcript when you ultimately consider this position, and also have regard to yesterday's transcript when at 11:28:17, not mentioning Hu Nim at all in my question, I asked, how had you found out or discovered that Khieu Samphan was in favour of the evacuation? And the answer was, I learned about this during the assembly held at Wat Thang Po. It's a matter for your honours to have regard to all the evidence when you have the transcripts available. Thank you. Oui, je crois qu'au moins nous serons d'accord sur un point, monsieur le coprocureur et moi, nous devrons nous référer aux procès-verbaux d'audience. Encore une fois, je rappelle que si j'ai pris la précaution de bien faire état de la réponse en khmer du témoin, c'était justement parce que je ne voulais pas qu'il y ait de problème de traduction. Donc la Chambre appréciera en fonction des procès-verbaux. Et encore une fois, l'interprétation que nous avons, monsieur le procureur et moi-même, n'est pas la même. Et les procès-verbaux d'audience feront foi. Et j'en aurai terminé de mes observations sur ce point. Monsieur le procureur, សូមអញ្ជើញក្រោយឈរ